Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue donc pour la deuxième partie de Crux pour la mission numéro 7 où on doit s'évader de la prison de San Quentin. J'ai donc réussi à libérer les trois autres qui étaient donc Bishop Lobkowitz et Rufus qui étaient enfermés en prison. Et vous voyez, je suis juste à un demi-doigt, tu me fais mon gars, d'aller à la sortie pour enchaîner le deuxième niveau. Alors j'ai un peu laissé tourner le compteur comme une débile quand j'ai fait une micro-pause. Ça a juste m'ajouté genre 2 minutes, ça m'énerve, mais bon. Voilà, maintenant on va aller au niveau ici donc. Ça commence à devenir un peu compliqué, mais il nous faut toujours les négatifs dans le bureau du directeur. Ah oui, c'est vrai. Alors, ici ça risque d'être un chouille un petit peu plus grand. Ouh, il y a plein de caméras, tout ça, à mon avis on doit devoir passer dans la cour. De toute façon, vous savez que on y arrive en général. Je suis très contente parce que ma jauge de danger a été prise vraiment qu'une toute petite fois. Alors je me souviens même pas pourquoi. On a assommé un mec. Donc je pense que c'est pour ça à chaque fois qu'on assomme un mec vu qu'on se fait voir. Bref, bon alors bien sûr je vais commencer par une pause pour réfléchir à comment je vais faire directement. Effectivement parce que sinon je vais mettre trop de temps. L'enregistrement va être trop. Donc je vous retrouve juste après. Bon alors ce qui m'embête c'est que pour aller ici on est un peu obligé de péter le mur là, sauf que si on pète le mur là, lui il est alerté. On va peut-être réduire la jauge de danger. Ah bah non! Mais qu'est-ce que je suis bête? J'avais pas vu. Alors Bishop, tu me fais peur, voilà. Après c'est Jean-René, il est un peu... C'est Jean-René Bis, lui, hein. Lui, il regarde que ça. Donc, ça va être notre pote Rufus. Oh! Lui, lui, il est par là, d'accord. Parce que s'il voit ça et il nous voit à l'intérieur, on est mouru, quoi. Donc, il va falloir refermer la porte. Une fois qu'on est rentré, il faudra refermer la porte. Donc, Rufus, mon ami, tu vas viendre, tu vas maîtriser... Le petit... Ah, il veut pas. Oui. 2-3 fois, là, comme ça, on est bien. Roquette. On sait que tu veux. Roquette, tu vas venir là. Juste pour qu'on se... On se fasse pas prendre. C'est quoi le jeu? Vas-y. J'attends. Voilà. Là, on est bien. Terminal de caméra. Donc, Lobkowitz, tu vas t'occuper de ton truc, là. Oui. Toi, tu vas faire ça. Ça va nous aider à déjà désactiver pas mal de choses. Oui. Tiens, toi, tu vas t'occuper de ça. Voilà. Voilà. Pour l'instant, on a désactivé quelques petites caméras. Vous voyez? Bon, une. Mais ouais, on est toujours... Hein. Après, d'ici, j'ai remarqué qu'il y avait un conduit d'aération. Donc, je pense que c'est pour la demoiselle. Ah, et elle arriverait ici. Il faut crocheter, il y a le conduit d'aération. Il doit y avoir des sous ici, non? Non. Et à quoi ça nous servirait qu'elles arrivent là? Il y a une clé. Clé de coffre-fort. C'est la cantine, tu vois. Ok, bah on va l'envoyer elle. En attendant, il n'y a rien. Trop de... Ouais. Cocotte, tu vas aller là. Puis tu vas aller là. Je suis sûre qu'elle veut pas, c'est ça. Ah, elle a pas encore la compétence boa constrictor. Elle dire, tu ne sers pas à grand chose, Cocotte, je te ferai dire. Mais vraiment.
Là, je vois pas l'intérêt que tu qu'on a que tu qu'on a avec toi. Ça ouvre. Il faut qu'on éteigne. Attendez. C'est ici qu'il faut venir. Ah oui, on peut descendre comme ça dans la cour. Brouillure de caméra. Faut que Lobkowitz il arrive ici. Il arrive comment? Lui il est pas beau à Constrictor. je vais réfléchir encore une fois. On fait quoi maintenant? Bon, j'ai envoyé finalement Bishop parce qu'il a ouvert qu'une seule porte sur les deux, je sais pas pourquoi. Voilà. Ça c'est fait. Alors je me dis que peut-être il va falloir passer par la cour. Non mais là c'est... Ouais, si Lobkowitz il doit descendre... je sais pas comment il fait pour passer derrière ce truc là. Hein. Y'a pas de passe-muraille, y'a rien. Hein. Ah, par contre y'a une mallette donc... Ah, c'est peut-être que pour ça. Bon bah on va aller chercher les sous. Salut. Vu que tu sais pas faire autre chose, pour l'instant, tu vas nous prendre les sous. Vas-y, repunch-le. Ouais, ça, je peux pas faire trop chose. Par contre, Bishop... Je suis prêt. Retourne là. Alors, le garde, il est passé ici pour la porte ouverte. Il l'a pas vu, hein. Il l'a pas relevé. Là, les portes sont ouvertes. Elle a récupéré les sous. Elle peut vraiment rien faire. Ah si, elle peut passer là. Oui. Donc, finalement, elle peut nous être utile. Ouais. Ouais, tu vas repuncher le gars, s'il te plaît. Il va faire un bon gros dodo, le monsieur. Merde. Ah, mais eux. Voilà. Vas-y. Voilà, ça c'est fait. Je vais prendre. Bah quoi? Ah oui, inventaire saturé. Et ça, elle peut pas encore le faire, c'est ça? Non. Ouais, je lui ai pris des trucs finalement que j'en ai pas eu besoin. Mais elle peut arriver ici. Elle peut venir ici. Elle peut brouiller la caméra pour rentrer ici. Bah non. Bah non, parce que... Non, il faut que Lobkowitz vienne là, quoi. Ah, il y a une porte. Ok, non, mais en fait, il faut passer par la cour, c'est obligatoire. Sauf que toutes les caméras... Bon les gars, j'ai un plan. J'ai un plan, mais pour cela, il faut que Rocket puisse trafiquer la caméra. Après, elle fera... Ouais, ouais, bah ouais, que Lobkowitz, mais... On va ouvrir cette porte-là. Je peux pas faire grand-chose dans le sens où... C'est Lobkowitz qui est demandé partout et j'ai pas de fourche Tesla. Donc elle va faire au moins ça pour l'instant. Et en fait j'ai besoin qu'elle utilise un item pour qu'elle en puisse prendre un autre. Donc, la porte est ouverte là. Je
ne peux rien faire, j'ai pas la fourche Tesla, donc tu vas repartir. Bon, elle peut pas aller là. Il faut faire ici, et ici c'est machin truc, c'est Lobkowitz. Tu vas venir là. Parce que peut-être que le garde il va se demander quoi. Ah non, même pas une chance. Très bien. Et du coup, tu reviens à la maison. Toi, tu vas frapper un coup. Voilà. Là, je vous explique parce que finalement, je pense que c'est pas encore maintenant qu'il faut que j'aille par là. Il faut que j'aille par là. Donc, on va y aller. Et c'est elle qui va y aller parce qu'il va falloir la compétence anguille. Donc, ma cocotte, tu vas venir jusque là. Sachant que la porte est ouverte, donc... reprogrammer qu'il le... Merde. Toi. Ça va barder. Ouais. Dès que ce garde-là sera passé, elle, elle fera le tour avec lui pour passer là. Enfin bon, c'est tout un... On bouge plus. Mais quoi? Elle est derrière la porte! Vous allez voir comme je suis. Ah putain, mais c'est quoi ce bordel? J'ai le flic qui est avec nous. Bon allez, bah c'est pas grave. Voilà, hein, c'est pas grave, je savais, ça sert à rien. Mais de où quoi? Je les mets toujours derrière la porte, ça se passe bien et là ça, il le voit dans 2 mm quoi. Hey, il y a quelqu'un! Il a même pas vu que la porte était ouverte 5 minutes avant, mais là il voit qu'il y a quelqu'un quoi. C'est nawak. Bref. Mais du coup, tu vas pas y aller, hein? Lui, il est. Il en a plusieurs sous le chapeau. En avant. Ouais, non mais tu sais quoi, meuf? Tu vas venir là seulement. C'est du grand nawak, quoi. Forcément, ça m'a fait un raté, quoi, voilà. Oh la vache! La demi-seconde! Oh là là. Vas-y, ma cocotte. Ici, c'est bon. Ah, ça m'a enlevé les infos. Hop. Voilà, là je me sens mieux. Alors, non, tu vas pas passer tout de suite. Non, 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 j'ai dit non. Ah, il va jusque là. Bâtard. Parce que vous voyez, lui, il va regarder direct, sinon il va, elle va se faire vraiment choper. Vas-y, tu peux. Pendant qu'il a le dos tourné. Oui. Elle a pris ça. Elle va désactiver ça. Voilà, c'est-à-dire que la caméra là-bas et les deux autres caméras sont closes. Elles sont bonnes. Alors il fallait. J'ai vu des sous. Elle est là. Mais oui, mais... la mallette, ça va être compliqué de la choper. Hein. Parce que lui, il fait ça. Donc, il va me voir. Surtout qu'il va bientôt... Il est complètement en ligne de mire, donc de toute façon, elle doit partir. Vas-y, refrappe-le un coup, parce que je sais pas si... Oui, si j'appuie pas sur play. Ok!
Ok. Ça, c'est fait. Et en fait, elle a ça. Et avec ça, elle va pouvoir... Elle est là, vu que c'est que l'Obkovitz. Ouais, punaise! Comme quoi, c'est pas par hasard. Je me dis, j'ai réfléchi, c'est pas possible. Il peut pas aller là, l'Obkovitz. Il n'y a aucun passage. Donc, elle va y aller. Voilà. Je suis arrivé. Donc, c'est elle qui y va. Surtout, prends ton temps, cocotte. Tchadadam! Ah, ça va ouvrir la porte là-bas? Bah oui, j'avais déjà ouverte, c'est pas grave. J'avais besoin de toute façon. Voilà. Ok, de toute façon, après, c'est pas grave, on peut la rouvrir. On est bien. On est bien pour l'instant. C'est-à-dire qu'on peut atteindre ici et ici, ça débloque pas mal de choses. Il nous fera... Ouais, pas mal. Il nous fera juste un brouilleur de caméra. Et elle en a plus. Parce que je l'ai utilisé là. Et ouais, fait chier. Après, elle peut prendre la porte. La clé d'un coffre-fort. J'ai pas vu de coffre-fort. C'est pas très utile en soi, le coffre-fort, j'ai envie de dire. Bon, bah, encore une fois, je vais réfléchir à la suite de comment je vais pouvoir faire la mission. Je suis bête. Le brouilleur de caméra, il est là. En fait, elle est très utile, là, maintenant. Voilà, elle a le brouilleur de caméra. Donc, j'avais dit, ce serait pour ici. Ah, il est là, le coffre-fort. Bah oui, mais bon, il y a 15 000 trucs à ouvrir. Moi, il y a que elle. Là, elle a déjà 3 trucs. Elle fera faire cette caméra-là. Elle va venir... Et lui il est rapide en plus, je peux l'éloigner. Je brouille la caméra. Je fais un bruit, je sais pas quoi, je fais un bruit. Ou alors je vais là. Non bah non. Faudrait que je réfléchisse à comment je le fais, parce que lui ici il entend un bruit dans un rayon de 20 mètres. Par exemple si je la fais aller là. Et que là. Il va venir ici. C'est 5 secondes. Non, c'est... J'ai pas de bêtises. Après 5 secondes de délai, donc elle fait 5 secondes. Tac, 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 tac. On va dire qu'elle se planque. Ouais, non, il va la voir. C'est vrai qu'en 5 secondes, elle arrive à faire ça. Cache-cache, hein. Après, il faudrait qu'elle se mette là. Ouais, elle se met là. Lui, il va voir pendant qu'elle va... Pouf, 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 pouf. Bon, on va organiser ça. Mais il faudrait que je mette genre le truc là. On va faire ça. Tu vas faire le bruit. Après là-dessus tu vas faire la caméra. Et tu vas aller là. Est-ce qu'il va l'entendre? Je suis même pas sûre. Mais non, même pas. Oh non. J'ai fait trop de la merde! Ah, je suis dégoûtée! Ah, je suis deg! Tu vas me dire prendre la clé, c'est pas grave. Je l'ai mis trop loin, mais qu'est-ce que je suis bête! Oh non, mais là, vraiment, là vraiment, je crains, quoi. Je crains, je suis mais dans dépression. Bah oui, je l'ai mis là, parce que je me suis dit, c'est plus direct. En plus, c'était complètement bien comme plan. Je suis coincée. Voilà. Je suis de nouveau coincée. Bon, je vous retrouve après. Bon, j'ai peut-être une solution, parce que là, on a un autre Jean-René, mais bon, elle va se faire gruger par la caméra, mais... Je peux pas faire autrement, elle peut désactiver ce truc là dans son dos, mais pff, là vraiment j'ai pas d'autre solution, donc on va le faire, mais tant pis. Hein. Tu viens là. Ça va au moins désactiver toutes les caméras de la cour, ou une partie. Mais voilà, ça me fait augmenter vachement la jauge de danger, et
c'est relou, quoi. Bah, remarquez, au moins, je peux les faire tous sortir, là. Au lieu de rester là, ils vont pouvoir aller ici. Et donc, on va catcher lui et... Ouais, parce que là, on va crocheter. Ok, bon, on va faire ça comme ça. Cocotte, si tu veux, tu restes là. Jean-René, il va pas te voir. Ah, je suis dégoûtée, quoi. J'avais... Ah, ça me déprime, ce genre de truc. Alors, lui, il vient de passer... Serveur accroché. Ouais, on va avoir besoin de toi. Toi, vas-y. Donc, on va pouvoir faire bouger tout le monde ici. C'est quoi le topo? J'attends, et maintenant? Allez, viens! Oui. C'est parti! Ouais. Moi je pourrais couper à travers, mais je préfère vraiment suivre le mec. Bien reçu. Ça va barder. Son champ de vision, j'avais oublié son champ de vision. Technicos, pareil, je suis prêt. Oh. Ouais, je crois que j'aurais été tout juste. Lui, il se réveille là-bas. Non, il s'excite, mais ça va. Ok, putain, les gars. Là-bas, il va regarder là-bas. Ok. J'ai dû rêver. Ouais, t'as dû rêver. Allez. Oui. Pff, je vous jure, c'est du stress. Ouais. Tout va bien? Mais bon. Finalement, peut-être que je me suis plantée, mais ça m'a augmenté ma jauge de danger, mais voilà. J'ai pas d'aimant, par contre. Donc, il faudrait que si j'en chope un, ce sera pas de refus. Du coup, en parlant de refus, on va... Comment ça? Ah bah c'est je refuse qui s'est fait voir, bah oui. C'est quoi le topo? Tu vas ouvrir ça. C'est parti. Le Covid. Tu vas t'occuper de toi. Là, on est... Voilà. On a gagné des sous. Bon, finalement, j'ai réussi à avancer un peu. Ma jauge de danger, elle est quand même pas terrible. Mais voilà, on va pouvoir réussir à récupérer la clé qui est ici. Le Covid va pouvoir aller là. Donc le Covid, tu vas là. Une serrure à crocheter. Toi, tu vas aller... Ah, et puis c'est dégagé ici pour aller chercher le butin, ça c'est aussi pas mal. Go. Oui. Qu'est-ce qu'on ferait sans Rufus, hein? On est OP. Lui il a pris la... Truc parfait, donc on peut aller ici. Ça c'est seulement ouvert par là, mais comme on n'y est plus, on aurait pu, hein, ouais, je l'ai pas fait. J'espère que ça va pas nous être... Oh là là, il y a tellement de choses à faire encore. Donc, qui c'est qui pourrait aller là? Bah, elle peut toujours pas. Une fois que lui il aura le dos tourné, on aura... Pignon sur rue ici pour aller ici. Oui. Tu peux venir là. Ah, tu as une clé. Ben, c'est parfait. Ben, tu peux venir là du coup. Non. Seulement ici.
Salut. Venez, vous planquez bien loin de la porte, hein. Faut pas que qu'on vous voit dans la rainure, hein. Ce serait dommage. Quoique, lui, est-ce que c'est encore nécessaire? Je suis pas sûre. On va pouvoir aller... Donc, ici. Ok. On attend que lui passe. Et j'envoie Bishop vers la porte. Impossible. Je veux. Ah bah oui, je suis bête. Toi aussi, Cocotte, tu peux venir là, s'il te plaît. Bah vas-y, hein, tu peux rentrer aussi, mec, hein, avant que l'autre y revienne. Est-ce que... Là, on a une caméra, on a des sous. Les sous qui traînent vers les poubelles, on est d'accord. Hein. Là, on a une caméra, mais on a un truc. Ah, elle va pouvoir s'infiltrer là, elle, par contre. Ouais, tu vas pouvoir aller là, Cocotte. Et t'as un passe-muraille, donc c'est nickel. De toute façon, notre objectif, c'est d'aller là, donc on va y aller. Ok. Eux, ils sont en sécurité. Ouais, si on veut. Serrure à crocheter. Toi, tu vas venir chercher les sous. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas ouvert la porte là, alors j'espère qu'il faudra pas passer par ici. Je pense que si, à un moment donné, mais tant pis. Ah, il y a une clé. Clé de coffre-fort. Ouais, c'est pas grave si c'est Rufus qui ouvre. Bon, on en a déjà une en plus. Alors, les sous sont récupérés. Je sais pas trop où aller après. Elle est passée, c'est nickel. Ah. Mais oui, mais c'est chiant là. Elle a deux clés, remarque. Que c'est moi qui dis de la merde. Clé de porte. Bon, mais nickel. Le mec, il était parti ici. Sachant que je fasse pas de bêtises. Ouais, mais c'est Lobkowitz! Moi, je peux pas tous les faire rentrer. Non, elle peut pas ouvrir. Hein. Elle a pas de fourche. Comment? Alors, bon, bah, je vais vous laisser et je vais étudier cette nouvelle partie de map parce que c'est vrai que je l'ai pas regardée du tout. Et pour savoir si je peux faire arriver Lobkowitz quelque part. Voilà. Après. Une fois qu'elle est passée ici, mais elle reste coincée parce que... Il s'est créé une aveugle du directeur. Et après, il faut repartir. Bref, je vous retrouve après, une fois que j'ai étudié la problématique. Ok, bon. Il y avait quand même pas mal de choses encore à faire. Et je me suis dit que on allait faire un petit passe-muraille. Elle allait venir là. Ceci est une chose. Puisqu'elle peut désactiver des choses. Ainsi que Lobkowitz, elle n'a pas la fourche. Mais au moins, elle peut désactiver ici. Voilà. Après, elle peut venir chercher les trucs là, qui est un peu l'objectif principal. On a les négatifs. Faut en camp. Voilà, maintenant ils... Ah, ils doivent partir, mais... Où est la sortie, les enfants? Lui, il va bientôt se réveiller. J'ai des plans un peu pour... alors, parfait. Parce que... Il faut que Rufus sorte. Parce qu'il y a des trucs à casser. Il y a des portes à casser.
Mais il y a tellement de gardes et tellement de caméras, c'est chaud les marrons, il y a là aussi, mais si Kasla lui l'entend, enfin bon c'est un peu... Franchement j'ai peur de ce que je vais faire, mais... Et le coup, pendant que l'autre il allait tourner, tu vas aller avec... Je sais pas du tout. Non, c'est mort. Elle est où cette sortie? Elle est là. Ok, il faut passer dans la cour. Mais là, s'il faut juste partir. Ouais. Bah, on est bien alors. Celui des cuivres part. Non, elle. Ouais, le dorage va cache-cache. Non, ouais, parce que du coup, je suis pas obligée de faire tout ce que j'ai vu. Genre désactiver toutes les caméras et tout. Parce que vous voyez que tac-tac. En fait, on s'est tout droit par là. Mais avec lui, pour faire ça dans son dos, ça va être compliqué. Mais bon, mais on est obligé parce que de toute façon, il résiste. Donc, on peut pas. C'est compliqué, moi je vous dis. Hein. C'est chaud, ça. C'est de plus en plus chaud. Mais là, vraiment. Est-ce qu'il va venir checker pour Rufus ou pas? Ouais, donc Rufus, tu devrais te mettre là. Vous n'allez pas me dire que ça va passer à travers les bouquins et enfin les caisses et tout. Hein. Ferait mieux de revenir. Ouais, c'est sympa toi. Ok. Alors, est-ce qu'on va tenter Rocket? Elle, de toute façon, elle est dedans. Ouais, mais elle est bloquée, elle. De toute façon, elle est bloquée. Il faut la faire sortir. Donc je suis obligée de faire tout ce merdier. Faire que Rufus il aille péter là. Que. Comment il s'appelle? Mais en plus on peut pas les maîtriser. Oh. Ah ouais, mais. C'est chaud. Je peux pas. Je peux pas les faire planquer. À moins qu'ils passent par là. Là, il y a un gros terminal de caméra, mais vraiment. Pareil, pour y arriver, pour passer par là. C'est impossible leur truc. Désolé, c'est pas possible. Ce n'est pas gérable, les enfants. À moins qu'il aurait fallu passer par là, et ça aurait été plus facile. Mais là, c'est bizarre, vous voyez, parce que je peux casser. Il y a un truc pour faire du bruit, là, je suis royalement planté dedans, tout à l'heure. Mais il y a une pile, une lumière hein, là-dessus. Comme si il surveillait. Je sais pas trop. Ouais, voilà. On va repartir dans la réflexion. Je suis pas sûre de mon coup là, mais je suis un peu obligée pour la faire sortir elle en fait. Mais lui, comme on peut pas le maîtriser, je sais pas comment c'est possible. Je sais pas du tout. T'es sûre que t'as pas un truc d'aération? Ah bah si, elle peut ressortir. Y a plus le truc ouvert là. Ouais, je me complique la vie, moi. Ouais, oui. Il y a des fois, En fait, on est tellement bloqué sur un problème, c'est-à-dire ce problème-là, le garde, que je ne vois pas que, elle, je pouvais la faire sortir par là où je l'ai fait rentrer, tout simplement. Ok. Bah, finalement, on va y aller, alors on va partir. Oui. Ouais, tu peux rien
Bon bah ce sera tout dans le dos de monsieur. Mais ça, ils étaient tellement ouf. La sortie elle est là, mais il y a trop de choses qu'on n'a pas fait. Peut-être que j'en prends pas conscience que je suis obligée de le faire. Il n'y a que lui qui va poser problème en fait avec son tour de garde complètement hallucinant. Peut-être que quand il regarde par là. Tac. Ouais. Bah, on va voir, hein. On va tous les planquer derrière le van. Ouais. Ouais. Technicos pareil. Technicos pareil. Tu vas sortir aussi. Oui, ça va barder. Normalement ils sont safe là-bas, hein. Vraiment j'espère parce que sinon ça me foutrait mal. On va la mettre à l'abri ici. À bruit là, ça aurait été bien de l'avoir. Et maintenant, bien sûr. Juste quand t'as lui qui passe quoi. Je vais pouvoir faire sortir Rocket et la faire rejoindre ses potes. Moi je dis Cléopâtre, elle me manque parce qu'elle était tellement rapide. Non bah Rufus, tu vas prendre le petit jouet magique là. Lui peut désactiver une caméra. On va dire que c'est celle-là, mais c'est pas très très grave en soi, on en a pas besoin. Parce que là, si je vais dans son dos, genre là.
Imaginons. Là, il va les voir. Je vais plutôt attendre qu'il aille quand il sera là. Moins que je dois le poser là. Parce que ici, ce sera vraiment ligne droite. Ok, bon bah on va attendre. Tiens, tu vas pas bouger pour l'instant. On y est presque, il faudra juste que lui soit dans le sens inverse et on sera bon. Aïe 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 aïe, je vous jure. Il va pas les voir, il va pas les voir. Il va pas les voir. Ça devrait être bon. Ouais. Allez, pars-toi, Jean-Edouard. Ouais. Un délai que 5 secondes. Ah, ça me stresse en fait, parce qu'en 5 secondes, est-ce qu'il va avoir le temps de se déplacer? Mais pareil, il faut pas que je me gourre, parce que si je mets là le truc, non, ça va pas le faire. Là? Vraiment que lui, après quand il est comme ça, on a peut-être le temps de bouger, mais pas tant que ça. Parce qu'il faut qu'il l'entende. J'aille là. Je me planque là. Ça passe les buissons. Je suis pas sûre. C'est compliqué. En tout cas, là, s'il reste là, il est mort, hein. Ça, c'est sûr. On est tous les quatre là. A priori, on est bien bien. Faut juste qu'on se barre. Et il y a que le... Ouais, non, parce qu'il voit quoi. Donc il faut vraiment l'éloigner. L'autre, on est débarrassé par là. Donc Rufus, va falloir que tu joues avec ton petit jouet. Je vais le faire là plutôt. Ouais. Écoute, vas-y. On verra s'il est encore là dans 5 secondes. C'est tout juste. Hein. Mais non, mais qu'est-ce que... Mais non, parce que s'il vient là, ça revient au même, c'est pas bon. Bon les gars, on va tenter un truc. Pendant Love Covid, s'il va aller... Il va triturer la caméra. Qu'est-ce que c'est? Ah, boucle de caméra. Ah, je savais pas qu'il avait... Ok. On va attendre. Pendant combien de temps? De caméra 2 secondes. On va faire le brouillard de caméra.
parce que... Fait voir. C'est pas possible d'être aussi bête. Reviens, petite frappe. Ce serait l'occasion rêvée que tu fasses ton truc, toi. Voir aussi. Je suis en train de merder. Non. Respire, respire, respire. L'autre il est en train de revenir. De toute façon, il ne faut pas bouger. Le Covid, il est déjà parti. Non, il va se faire voir. Décris-toi. Tiens, c'est pas vrai. Calmos. Là, ça craint du boudin. J'ai fait du caca. Ouais. Ça m'enregistre là en point de sauvetage. Quelle vanne. Bon après il est pas mis là par hasard hein, en même temps. Non mais pour le coup du pouet pouet là je vais pas savoir le faire. Faut que je reprenne la patrouille. Ouais. T'en étais où ta patrouille? Comment il marche? Putain il va le voir. Bon allez les gars, on y va. À ce coup-ci, j'y vais au fond là, c'est pas grave. Hein. De toute façon, faut bien y aller. Décris-toi. Ah merde, c'est pas vrai. Oh non mais je vais me faire avoir là. Oh ça me pète des noix. Je vais te coincer. Dis-toi. J'espère pas t'échapper. Non mais c'est mort. Allez je me fais. C'est pas grave, on recommence. Sinon ça m'avait sauvé quand j'étais derrière le van. Et ben ça me permettra de revoir mes compétences. Le truc du poète-poète, je pense que je vais même pas l'utiliser, ça sert à rien. Mais ils ont des angles de vue vachement loin en fait. Ah oui, c'est ici. Non, bah non. Alors, s'il vous plaît, je veux les infos sur les gardes. Je veux une serrure à crocheter. Décris-toi. Oh là là. Je vais te trouver. Où es-tu? Je vais le faire sans arrêt à voir, c'est mort. Mais Rufus, je vais te trouver. En avant. Oui. Oh là là. C'est hard. Accrocheté. Pareil, toi tu vas te faire.
Oh là là. J'ai fait trop de la merde. Mais en fait, c'est vraiment trop compliqué. Le truc de caméra, bien sûr, je l'ai plus. Sinon, j'aurais essayé de désactiver ça là. Mais tant pis. On va courir, hein. En avant. J'y vais au culot et c'est ça qu'il faut faire. Mais what? Ben alors, mais Bishop, lui, il est tellement lent, quoi. Je ne pourrais jamais le faire sortir. Non, il va se faire voir, j'en ai deux qui sont sauvés. Oui. C'est bon, tu peux t'échapper, toi. Ouais, ça y est. Je vais remettre. Ah, oh, j'en peux plus. Mais Bishop, quoi, cette espèce d'anguille pourrie, va. Dans son dos. Décris-toi. Mais de où il se retourne? Il est pas censé être là. Il est censé regarder là. Ah ben non, mais oui, je suis con. Il est sur ce... oh, cette trajectoire là. Mais c'est pas possible. Bon bah allez, vas-y, va te faire prendre. Hein. Tu vas t'en mordre les doigts. C'est pas partie du plan, ça. Je suis démasqué. J'en ai marre, j'arrête pas de me planter. Ah, je suis à bout là, ça devient vraiment très compliqué. Oh, j'en ai marre. Ah, je vous le dis. Oh là là là. J'en ai mal, hein. J'en ai marre. Est-ce que je sauve lui avant? De toute façon, je pense qu'ils vont se faire tous les deux bien choper comme il faut. Ils sont pas assez rapides. C'est parti maintenant. Décris-toi. Et voilà. Allez. Encore un moment. C'est trop tard, ils vont tous se faire. Voilà. Tu vas t'en mordre les doigts. C'est merdé. J'ai peur, ça va être en boucle. Je vais me faire avoir en boucle. Mais voilà où il me sauve aussi le jeu. Non mais non quoi, à un moment donné... j'ai aucun moyen de m'en sortir quand mes gars ils sont là. Sachant qu'il va aller là et qu'il tourne par là. Non, c'est mort, je peux jamais m'en sortir là. Une serrure à crocheter ? Je peux pas m'en sortir. Décris-toi. Voilà, je peux pas, ils m'ont... Reviens là, petite fois. J'espère pas t'échapper. Décris-toi. Non mais voilà, je... Le jeu me sauve, m'a fait une safe où c'est impossible que je m'en sorte. C'est impossible que je m'en sorte là. C'est impossible. C'est impossible. Voilà, je peux pas. Mec. À un moment donné, j'ai fait de la merde, je suis d'accord. Mais
qu'il se retourne comme ça. Donc de toute façon, c'est baiser. Voilà. Au travail. Ouais. Mais c'est baiser, on est mort. Décris-toi. Voilà, on est mort. Je vais te trouver. L'autre, il est là-bas. Je suis prêt. Il y a un souci. Il est parti! Ça va barder. Non, mais c'est le jeu qui m'aide, là. Le jeu est en train de m'aider. Il me dit, ouais, vas-y. T'es dans la merde, on va te sauver. Parce que du coup, il a vu le trou là. Ah! Merci le jeu! Je t'aime, Croux! Ah, c'est bon, j'ai fini la mission. Ah mon dieu, c'était compliqué! J'ai vraiment cru que j'allais jamais m'en sortir sur cette fin. On est flagrant. Wouhou! Il y a énormément de choses que je n'ai pas joué, je l'ai pas fait. Au moins. J'ai quand même réussi, je m'attendais vraiment pas à m'en sortir là pour celui-là, c'est compliqué. Le jeu me faisait une sauvegarde, vraiment, c'était impossible de faire quoi que ce soit de cohérent. Ah, je suis exténuée. Tarentule pour Rocket. Ah, elle pourra passer au-dessus des trucs. Bishop, crochetage des portes d'acier, d'accord. Le lubrifiant. Ah. Et le chalumeau. Alors, le lubrifiant, c'était peut-être pour les portes, certaines portes. Ok. Ah, oh, bah, mais non, je viens dormir. Voilà, j'en peux plus. Tu les as fait sortir en un seul morceau. Merci, Rocket. Évidemment que j'ai réussi. Je te l'avais bien dit. Ouais, ben, j'ai eu du mal. Et vous allez être scotché. Le directeur trempe dans des trucs vraiment pas nets. Pas nets? Disons qu'il tourne des films d'un certain genre, avec les détenus les mieux gâtés par la nature, et un certain mais Tony non. Johnson à la prod. Wow. Ils font des pornos en prison? Eh ben, c'est encore mieux que ce qu'on pensait. Ah, c'est crade. Il va nous manger dans la main. Rocket, merci encore. Hein. Et à la revoyure? Hola. J'ai pas rejoint cette clique par pure bonté d'âme. Je bosse pour vous, vous bossez pour moi. Elle a raison, un marché c'est un marché. Et puis, j'ai l'impression d'avoir trop négligé Rufus. Vous lui avez bourré le mou avec toutes les salades. Moi, ça me dérange pas de rebosser avec les Rollins. Je sais pas trop. Mon frère et moi on fait équipe. S'il en est, j'en suis. Et moi j'en suis. Bon, la messe est dite. On dirait. Bienvenue bon, bah, dans voilà. L'équipe Rocket. C'est-à-dire que là, bienvenue. À partir de ce moment-là, on a tous nos voleurs. On n'aura pas d'autres voleurs supplémentaires. Poum ! Il se déplace. Résidence secondaire. Rocket insiste pour qu'on s'introduise dans une résidence secondaire pour voler on ne sait trop quoi. C'est surtout le sous-sol qui l'intéresse. Difficulté de casse 2. Très bien ! Eh bien, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cette seconde partie donc de la mission numéro 7. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, c'était un peu compliqué, surtout la fin, je pense que le jeu m'a vraiment aidé en rajoutant un point de mire pour le garde, parce que sinon j'aurais jamais pu partir. Mais c'était chaud, il y a énormément de choses que je n'ai pas faites parce que c'était trop compliqué, vraiment. Allez, en tout cas moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Croux ou d'autres choses, je vous embrasse très fort, allez salut.